Qu'est-ce qu'il y a? Marie, il va chercher les pompiers. Le lit. Vas-y, le vas-y, 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 Marie va chercher les secours. Tu peux plus lever les jambes. Tu crois qu'il y a une pire? Poussez-vous là. Ça va? Tu t'appelles comment? Marie. Tu me prends pour un con, là? C'est censé être le 5. Je suis en avance. 5 jours d'avance? Ouais. Tiens. Tes règles, c'est le 5. C'est écrit, là. Tu viens demain. T'as déjà vu toute nue? Ben oui. Récemment? Genre, enfin, depuis que t'as des seins? Non. Pourquoi? Non, je dis ça pour parler. C'est pas intéressant de parler de genre poil. C'est mieux que rien, toi tu dis rien. Vas-y, dis un truc. Direct envie de pleurer. T'as vu, je suis pas grosse, je suis confortable. C'est pas pour rien que je suis comme ça. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, on était deux. Je m'en rappelle pas, c'est elle qui me l'a dit. Il y avait une autre fille, ben elle a disparu. Ça se peut que je l'ai mangée. C'est horrible. Non, c'est bien. Comme ça, je suis jamais vraiment seule. Pareil que t'as coulé l'autre jour à la piscine. Faudra que tu m'apprennes. J'ai essayé pour que François vienne me sauver, ben, il a même pas vu que je me noyais. Comment tu fais? Faut avoir envie de rester au fond. Je trouve ça ridicule. Quoi? De vouloir mourir pour quelqu'un. Ça dépend pour qui. Cinquième, on voulait mourir pour Madonna. Ça, c'était ridicule. Le truc chiant, c'est que si tu meurs pour quelqu'un, il saura jamais que t'es morte pour lui. Ben, si je meurs pour François, tu lui diras de ma part.
Non. Allez. Non. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu meurs.